sends and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Billy? Billy? Billy, réponds. Oui, ici Billy. On est désolé de gâcher ton jour de repos, mais on a un vilain accident avec des lignes de fuite. Tu ferais bien de venir. D'accord, je fais demi-tour. Je suis désolé, les amis. Mais le travail avant tout. Demande que Ricky ne vienne pas à l'église avec nous. Bah, ils sont grands maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Impossible, empoté. Il me manque à moi aussi. Est-ce que tu sais pourquoi tes concitoyens t'ont élu maire? Non, pourquoi? Parce que tu es le plus élégant des hommes. Ah, c'est donc ça. Et moi qui étais là à me demander pourquoi. Allez, vieux fou. Attention, poussez-vous, messieurs-dames. Veuillez rester où vous êtes, s'il vous plaît. C'est un semi-remorque qui vient de Houston. Il y a beaucoup de dégâts ou quoi? Oh, j'en sais rien, Billy. J'ai pas bougé d'ici, moi. La victime est à l'hôpital? Paraît que le corps est plus loin, enfin, ce qu'il en reste. À côté de l'église, ils ont dit. Regarde cette trace. Le véhicule a eu un problème. Fuite d'huile ou bien de liquide de refroidissement. Elle va nous conduire direct chez le gars, c'est pas difficile. À plus. Les enfants me manquent, c'est certain. Cela dit, c'est bien d'avoir cette grande maison pour nous. Et on n'a plus besoin de se cacher pour... Non. Hein? Merci. On ne fait jamais attendre le Seigneur. D'accord. Il y a bien une heure que je t'attends, alors dépêche-toi. Bon, alors, pour le dîner, ma grande, Ricky sera là vers 16h. Nous dînerons aux alentours de 17h, alors si des fois tu veux aider ta vieille mère en cuisine, viens de bonne heure. Et est-ce qu'après la messe, j'aurai le temps d'aller me changer? Bien sûr, tu peux faire ce que tu veux. Tu es grande maintenant. Je dois y aller. Bonjour, madame Sauter, merci pour l'église. J'ai des obligations. Merci pour l'église. Oui. À tout à l'heure. Ça en photo, s'il te plaît. Vous savez comment ça s'est passé? D'abord, j'ai cru que quand il avait été renversé, il était resté bloqué sous le véhicule. C'est ce qui expliquerait ses traces sur la route. Bloqué? C'est peut-être pire que ça. Il y a de drôles de marques sur ses chevilles. En faisant le chemin jusqu'ici, où les traces commencent, je suis allé voir plus haut, là-bas. Il y a un chemin de traverse. Et... on dirait qu'il y a eu une bagarre. Qu'essayez-vous de me dire, Billy? Eh bien, il a peut-être été traîné. Voyez.
Marion, il y a à peu près 4 kilomètres jusqu'à l'église. Il aurait été traîné pendant 4 kilomètres? Oui, c'est ce que je pense. Portefeuille, relève les empreintes digitales. Il ne répond toujours pas. Oh, c'est sûrement parce qu'il est déjà en route. Tiens, mets les haricots sur la table. Ça sent bon. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Ça va, maman? Te voilà. Maman. Tiens, prends ça. Voyons voir. Oui. Vous avez entendu les nouvelles? Où est ton frère? En train de garer sa voiture. C'est terrible ce qu'on a entendu. Et James qui ne répond pas au téléphone. Oh, il a probablement la gueule de bois. Bonjour, papa. Ah, mon bonhomme. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va. Tu as faim? Oh, ok, oui. Comment vas-tu, ma grande? Bien. Salut, maman. Bonjour, mon chéri. Vous savez qu'ils ont décapité un noir? Ils en ont parlé dans ton église aussi. Mm-hmm. La messe a même été interrompue. Le révérend Lyons a recommandé à nos jeunes d'éviter de sortir seuls pour l'instant. Pour moi, c'est une vengeance. Pour ce qui est arrivé il y a 8 jours. Oui, un noir tue son patron blanc, alors on prend un noir au hasard et on se venge. Attendez, ce n'est qu'une rumeur pour l'instant. Bon, vous voulez manger ou attendre Junior? Non, on mange, j'ai faim. Non, je n'attends pas. D'ailleurs, ça sent alors, vraiment trop bon, ce serait dommage de laisser attendez, froidir. Attendez, je vous dis, restons, bougez pas. Quand on parle du loup... Moi, j'en ai marre d'attendre cette tête brûlée. Il a toujours été comme ça. Maman, tu peux lui préparer une assiette, il doit avoir faim. Sheriff Rawls? Bonjour, on peut entrer? Bien sûr, je vous en prie. Nous allions dîner. Navré de vous déranger. Vous avez encore arrêté Junior? Non, madame. Je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai du mal à annoncer ce genre de choses, alors j'irai droit au but. Votre fils, James Junior, a été tué. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, shérif? Nous ne connaissons pas encore les détails, mais nous pensons qu'il s'agit peut-être d'un meurtre. Oh non! Oh pas ça! Oh non! Non! Je peux vous promettre solennellement que je ne dormirai pas tant qu'on n'aura pas trouvé qui a fait ça. Thank you.
Je crois que l'on peut prier si vous voulez. D'accord. Tenons-nous la main. Salut Roger. Salut. Nous avons des mégots, une casquette de baseball. Nous avons un outil, c'est une douille, avec SB gravé dessus. Et un briquet, avec opossum gravé en bas. Et un genre de triangle gravé en haut, SB. Vous pensez à ça, SB. SB et opossum. Sam Brown? Stu Bullock? Il vient d'avoir 80 ans, je doute que ce soit lui. Mais nous réfléchissons, c'est ce qu'on doit faire. C'est le plus important. Billy? Écoutez ce gamin, c'est très intéressant. Je vous présente Monsieur Stephen Scott. Tu vas dire au shérif ce que tu m'as dit. Vas-y, tu peux lui dire. Stephen Scott? Oui, monsieur. Bien, Stephen, vas-y, tu vas tout me dire. Qu'est-ce que tu sais? Vers 1 h du matin, j'ai vu James Byrd. Il faisait du stop. Et 3 hommes dans un pick-up l'ont pris. Et comme par hasard, toi, tu te baladais là à 1 h du matin. Charlie, tais-toi, s'il te plaît. Ouais. Stephen, surtout, tu ne l'écoutes pas. Tu as vu qui c'était? Ils étaient blancs. Et le pick-up, Stephen? Comment était-il? De quelle couleur? Tout va bien. Clair. Ou blanc. Ou gris. J'en sais rien. En tout cas, je pense que le pot était trafiqué. Tu nous as bien aidés, Stephen. Tu es venu jusqu'ici et je t'en remercie beaucoup. Si un détail te revient, passe ici. Tu en discuteras avec le sergent Carter, d'accord? Allez avec lui, qu'il fasse une déposition et qu'il la signe. Entendu. Merci, Stephen. On a enfin quelque chose de concret. On a enfin une piste. Ça a l'air trop facile. Moi, j'ai pas confiance. Pourquoi? Vous doutez que ça puisse être un blanc? Allez, nous avons une bonne piste, là. Sur quoi vous travaillez? Regardez. SB, c'est gravé dessus. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, SB? Sean Berry. Je crois qu'il a un pick-up gris qu'il a retapé. D'ailleurs, il est gris clair. Voici un homme, messieurs, qui réfléchit et qui fait son job. Dommage que je vous ai déjà promu. Et si vous recommenciez? Poussez pas trop. Bon. Sean Berry, il vit chez Bill King, je crois. Exact. Bill King se fait souvent appeler l'opossum. Oui, il a même un tatouage. Ouais. Je crois que nous avons affaire au Ku Klux Klan. On oublie le triangle. Ce sont 3 K. Reliés ensemble. Nous avons un sérieux problème, messieurs. Alors qu'on me ramène Sean Berry. Oui, on y est. Allez, au boulot. Tu devrais peut-être aller parler aux Birds. Nous attendrons ici que tu reviennes. Ne t'inquiète pas, chérie, il ne va pas tarder. Je sais, oui, oui, je sais. Je suis certaine qu'il s'est arrêté pour acheter des fleurs. Ben oui, c'est ça. Vous savez, tout le monde achète des armes pour se protéger. Ils vont sûrement venir de ce côté-ci. Qui sait ce que ça va provoquer? Allez, va vite voir les Birds. Ton fils sera bientôt là. Ça ne m'aide pas que tu me répètes ça tout le temps. Attends, tu crois peut-être que tu es le seul à t'inquiéter? Papa, il ne lui arrivera rien. Ça sent bon ici. Qu'est-ce qu'il y a? Où étais-tu passé? Et je suis tombé en panne. T'as oublié les bonnes manières. Quand t'es en retard, tu téléphones, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Je t'entends, oui. Ah.
Et maintenant, nous ne saurons jamais pourquoi. C'est du ressort de la police et des juges. Et pourquoi notre Seigneur a permis ça, jamais nous le saurons. Nous devons lui faire confiance et lui obéir. C'est pas vrai? Amen. Amen. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous gênez pas. Demandez-le, je serai toujours là. RC. Le shérif m'a fait une promesse. Il m'a dit qu'il arrêterait l'assassin. Mais... Ah, je te comprends. Écoute, je vais m'en occuper aussi, ne t'inquiète pas. D'accord? Oui, mais ils sont tous en train de parler de fusils et de vengeance. On ne veut pas qu'il y ait plus de violence, RC. Moi non plus. Nous voulons que tu essayes de rétablir la paix, quoi que ça puisse coûter. Je le ferai. Je le ferai. RC. Tu pourrais m'aider? Je dois penser à l'enterrement maintenant. Est-ce que tu pourrais t'occuper du corps? Est-ce que tu pourrais le mettre chez toi? Je pense que c'est toi qui devrais le faire. Il a presque été élevé avec tes enfants. Oh, c'est pas vrai. C'est d'accord. Je ferai ce qu'il faut. Sois tranquille. Comment ça va, les gars? Bon, faudrait qu'on parle un peu. De quoi tu veux qu'on parle? On sera mieux au commissariat? Vous voulez qu'on vous questionne devant tous vos amis? Vas-y. Central. On peut attendre que les papiers soient faits ou vous pouvez nous suivre? Oui, c'est le central. Vous choisissez. Vous avez besoin de renfort? Vous avez besoin de renfort? Répondez. On n'a rien à se reprocher, alors allons-y. Ça va aller. Bien, monsieur, terminé. Johnny, allez, venez. T'attends là, mec? Ouais, garde bien au frais. Et c'est reparti sur la gauche avec les Jamison. Ils le connaissaient? Pourquoi ils l'ont tué? Ils sont tiennes à ce qu'ils ont déclaré. Ils disent qu'hier soir, ils ont fait une virée. Rien de plus. Les gens disent qu'ils ont trouvé une note dans le pick-up qui disait un de mort, plus que deux. Je suis pas au courant de ça. Billy a dit que quand il saurait, il m'en parlerait. Tu es sûr qu'il n'était que trois? Mais je n'en sais rien du tout. Billy veut que je rassure les gens en leur expliquant que les suspects ont été arrêtés. Et toi, tu es rassuré, RC? Et s'il n'est pas capable de résoudre cette affaire, qu'est-ce qu'on fait? Walter, tu es fort pour poser des questions. Les réponses, tu les laisses aux autres. Hein? Monsieur le syndicaliste. Hein? Je suis désolé. Ouais. Pour l'instant, ils les interrogent. Ils vont faire le maximum. Le petit Berry, lui, il parlera, c'est sûr. Alors, si tu veux bien m'excuser, je dois aller à la morgue. Oh, tu as vu James? Oh oui. Oui. Il faut que je rentre, moi aussi. Ruth est morte de peur. On fait comme on a dit. Oui, entendu.
Tu sais qui je suis? Le procureur? Le shérif et le procureur ne se dérangent au milieu de la nuit que s'il y a un très sérieux problème. Sean Berry, regarde-moi droit dans les yeux! Tu as tellement la trouille que tu ne peux plus respirer. Il faut dire que tu as une bonne raison. Oh oui, une bonne raison. Tu sais pourquoi? Parce que nous savons, oui, nous savons. Nous savons, mon gars. Nous savons tout. Nous savons ce qui s'est passé. Je vais partager quelque chose avec toi. Nous n'avons rien contre les deux autres. Nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons rien du tout. Pourtant, nous savons qu'ils étaient là. Seulement, il y a le sang de ce noir sur ton véhicule. Et il y avait tes outils sur la scène du crime. Alors est-ce que tu sais ce que tu risques? Tu risques de plonger pour assassinat. Tu vas plonger pour meurtre qualifié. Pense-y deux secondes. Mais nous savons que tu es différent des deux autres. Nous le savons. Il n'y a qu'à te regarder. Tu veux te voir dans une glace? Tu es pétrifié. Mais c'est ta tête. C'est ta tête qui va tomber. Maintenant, quand on trouve un arrangement, la première personne qui parle a un meilleur traitement, n'est-ce pas, Billy? C'est exact. Alors, à ta place, j'y penserai. Mais il faut tout nous dire depuis le début, Sean. Hmm? C'est pas moi qui conduisais. Attendez. Cet arrangement, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que t'as à dire? C'est tout ce que t'as à dire pour sauver ta petite tête? Tu vas être accusé de meurtre avec préméditation. Tu sais ce que ça veut dire? Sean, est-ce que tu veux réessayer? Oui. Bon, allez, vas-y, parle. Dis-nous tout. On se baladait. On a pris un autostoppeur. Salut, vous allez en ville? Ouais, on va en ville. Est-ce que vous pouvez m'emmener? Bien sûr, mec, monte derrière. Merci. Et une fois passé Huff Creek, on s'est arrêté. Peur. Comment ça, elle est pas fraîche, première? Et t'es pas poli, sale mec. On va t'en prendre plein la tronche. Ce sont les autres qui l'ont cogné. Allez, corrige-moi ça. J'ai voulu m'en aller quand j'ai vu qu'il voulait finir. De toute façon, c'est les autres qui ont tout fait. Il a l'air d'avoir son compte. Ouais, il a l'air fatigué. Attends, attends, va chercher la chaîne. Ah ouais. Ne touche pas, sale nègre. Pas. Quand ils l'ont attaché au pick-up, je leur ai dit que c'était une mauvaise idée. Tiens, ce connard, mieux que ça. C'est tout bon, on y est. T'es sûr que ça tiendra? Oh oui. Allez, en route! Oh 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 oh. Suite, on est parti et quand je me suis retourné, j'ai vu qu'il était plus là. On voulait seulement se faire un nègre. Et ça a dégénéré, c'est tout.
Ça a dégénéré. Un de ces jours, tu vas te réveiller dans de terribles souffrances à cause de ce que tu as fait. Laisse-nous, bon garçon. Oui, monsieur. J'ai préféré venir au lieu de vous téléphoner. Voilà. Nous avons eu des aveux. Ah oui? Maintenant, nous savons qu'ils étaient trois et qu'il s'agit bien d'un crime racial. Est-ce qu'il y avait quelque chose entre eux et Junior? Non, je ne crois pas, non. Il était noir, alors ils l'ont éliminé. Je ne connais pas la formule exacte ou légale pour le dire, mais c'est ce que nous avons là. Nous avons choisi le bon moment pour nous faire élire, n'est-ce pas? Et sur combien de meurtres avez-vous enquêté? De celui de la semaine dernière et celui-ci. Rien que deux, hein? Oui. Dans la police de la route, on n'enquête pas sur les meurtres. J'ai téléphoné au FBI à Beaumont et je leur ai dit qu'un bouseux avait besoin d'un coup de main. Je vais envoyer ce corps là-bas. Je veux que ce soit un expert qui fasse l'autopsie. Et moi, j'y serai dans la matinée. Ils envoient des agents de main. Les fédéraux vont prendre le relais, monsieur le maire. Cela ne nous regardera plus. C'est une bonne décision. Bien le bonjour, Jasper. KJAS, votre radio avec les dernières nouvelles. La police n'a toujours pas communiqué les noms des trois hommes qui ont été arrêtés pour le meurtre de James Byrd hier soir. De son côté, l'entourage du shérif reste muet et refuse de confirmer ou d'infirmer s'il est possible que le racisme soit à l'origine de ce crime. Nous savons tout de même que l'enquête étant en cours, personne n'a encore été inculpé. Le sport et la météo après ce grand tube de l'année 1975. Cathy, je serai bientôt au bureau. Vous allez avoir une surprise. Quel genre? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous pouvez nous dire où en est l'enquête? Qui sont ces trois hommes? Chérif, est-ce qu'ils font partie du groupe Star? Aucune déclaration pour l'instant. Je veux seulement vous dire que l'enquête suit son cours. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Merci. Alors, monsieur le maire, est-ce que Huff Creek Road se trouve en ville ou dans le comté? C'est dans le comté, à la limite de la ville. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ce qui s'est passé? Dites-moi, est-ce que la maintenance est assurée par des fonds fédéraux? Ça, j'avoue que j'en sais rien du tout. Il faut voir ça avec l'administrateur. L'administrateur. Et comment j'entre en contact avec lui? Excusez-moi? Cathy, des messages? Un tas, shérif, et j'en attends d'autres. Shérif, Don Clark, FBI, Houston. Don, heureux de vous voir. Vous allez faire une conférence de presse? Oh non, désolé, c'est à vous de jouer maintenant. Non, nous sommes seulement ici pour trouver des preuves. J'arrive de votre bureau à Beaumont. Tant que la juridiction n'est pas établie... Il s'agit votre... d'une violation des droits civiques. C'est vous que ça regarde. Heureux de vous voir, Don. Il devrait se trouver à la mairie, comme oui, tous les d'accord. administrateurs. Et son numéro, c'est... Attendez une seconde. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui s'est passé l'autre soir? Le bureau du procureur général ne croit pas qu'il y a assez de preuves pour dire que c'est quel un crime. Quel genre de preuves il leur faut? Monsieur le maire, Don Clark. Franchement, cet homme a été tué à cause de la couleur de sa peau. Quel genre de questions on voudrait poser? Purement et simplement. Vous avez entendu ce petit con? Nous voulions seulement nous faire un nègre. Sans autre raison. C'est pour ça que maintenant... Ça appartient au FBI. Pas nécessairement. Pas nécessairement? Il a raison, c'est pas évident, Billy. Et pour l'instant, il faut une conférence de presse. Qui est votre porte-parole? Ça? Regardez-moi. C'est pas mon truc. Je suis pas fait pour ça. Je suis venu avec un pro de la conférence de presse.
En se basant sur les faits, il a rédigé une déclaration qui tient debout. Tout ce que vous avez à faire, c'est la lire. Si on vous pose des questions, vous dites pas de commentaires, c'est facile. Un éventail complet des agences du maintien de l'ordre, qu'elles soient locales ou fédérales, sont impliquées dans cette enquête qui risque d'être très longue et très difficile. Mais pour le moment, il serait prématuré de spéculer sur la nature atroce de ce crime auquel tous nos services sont confrontés. Oui, mais vu le taux de chômage que nous avons, il nous faut plus d'argent pour les logements sociaux. Excusez-moi, Walter. Vous devriez peut-être écouter la radio. Oui, merci. Eh bien, je vous remercie de votre gentillesse, mais je préférerais avoir des fonds. Nous travaillons sur un meurtre. Et combien de temps ça va prendre? Et rien n'a encore été déterminé. Une minute. Est-ce que c'est Billy Rose? Personne ne peut dire si les accusés appartiennent à quelque mouvement que ce soit. Ou encore s'ils sont liés à un mouvement extrémiste. C'est tout. Shérif, shérif, est-ce que vous croyez qu'il s'agit de racisme? Aucun commentaire. Shérif, vous, que croyez-vous? Nous travaillons tous sur cette affaire. C'est une enquête qui sera difficile. Est-ce que le Ku Klux Klan est présent à Jasper? Je ne pense pas, non. En tout cas, si le clan est... Il ne dit pas la vérité. Ouais, eh bien, merci beaucoup, Thelma Davis. Monsieur le maire, croyez-vous que le clan soit présent dans votre ville? Eh bien, j'ai jamais rien vu de pareil depuis que je vis ici. Bien sûr, il a toujours été du côté des Blancs. C'est carrément l'oncle Tom. C'est tout. C'est tout ce que nous avions à vous dire. Si vous en aviez la série, pensez-vous que vous seriez en mesure... Ne faites pas attention, monsieur le maire. Ouais, c'est facile à dire. Ça ne vous était pas destiné. C'était bien. Tu parles. C'était n'importe quoi, oui. Vous allez prendre les choses en main ou non? On ne sait pas encore. Ce qui veut dire non. Alors il va falloir parler normalement, ce qui implique un langage compréhensible. Merci, mon ami. On n'a pas un cas compréhensible. Oui, ça va? Tenez, déchirez-moi ça. Ouais, bah disons que ça peut aller. Walter! Billy, c'est bon de te voir. Comment vas-tu? T'étais dehors? Non, j'ai écouté la radio. Ah, c'était pas de la tarte, je peux te le dire. Écoutez-moi. Voici Walter Diggles, un Texan plus vrai que nature, conseiller au gouvernement. Si on a affaire à lui, il va falloir marcher sur des œufs. Oui, bien sûr. C'est un homme qui connaît la ville. Avant, il était à Dallas. Et il est venu s'établir ici. RC, vous savez ce que je pense? Je crois que pour être tranquille, il faudrait faire une déclaration officielle à tous ces journalistes. Moi, je crois qu'il faudrait contacter toutes les instances religieuses et leur dire ce que l'on sait. Il est important de rester soudé. J'espère que ça ne vous dérangera pas, Billy, mais si ça vous va, agent Clark, c'est ça? J'aimerais faire partie de l'enquête. Ah oui? Je crois qu'il ne faut rien cacher à personne. Pourquoi les religieux, monsieur le maire? Bon, je m'explique, voilà. Il y a 8000 habitants à Jasper et 40 églises. Est-ce que ça vous parle? Bravo. Très bonne idée. Bien vu, RC. Le corps se trouve à l'Institut médico-légal. Et maintenant, vous savez tout ce que je sais. Je pense que nos services doivent vous informer de ce que nous savons. Il est évident que la presse doit rester en dehors de ça, mais nous devons partager nos responsabilités. Shérif, excusez-moi, c'est difficile à dire. Mais avant que nous ne puissions faire quoi que ce soit, comment être certain que ce que vous dites est vrai? Est-ce que je vous ai déjà menti? Messieurs, ce que vient de dire le shérif sont les seules infos que nous ayons. Attendez. Si vous voulez qu'on aille dire à nos fidèles qu'il n'y a aucun problème, je ne vois vraiment pas pourquoi nous sommes là. Il y a un temps pour tout, s'il vous plaît. Là. Attendez, attendez. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Il est temps que vous retourniez dans vos congrégations afin de dire à vos fidèles que la loi fait son job. Ne faites rien d'incongru. Nous devons tous rester solidaires. Je suis d'accord avec monsieur le maire. Bien. Vous savez que nous sommes dans un cul-de-sac. Jasper a des problèmes. Et ça va ressembler à Los Angeles. Watts, 1965. J'ai absolument besoin de vous. D'accord? Il faut parler à la presse, RC. Oui, allons-y. C'est
Ces hommes seront-ils jugés à Jasper? Nous ne savons pas encore. En vérité, nous ferons ce qu'il y a de mieux pour cette affaire. Quelles mesures comptez-vous prendre, s'il vous plaît, shérif? Je crois qu'il faut donner une petite chance à ces gens. Vous les connaissez, ils nous représentent, nous vivons ici. Il est trop tôt pour porter un jugement. Laissez-les un peu travailler, il faut du temps pour mener une enquête. Il faut du temps pour dire n'importe quoi, surtout. Montrez un peu de respect, vos propos sont inconsidérés. Eh bien, respectez-nous en nous disant tout ce que l'on peut savoir. Monsieur le maire, croyez-vous que Jasper soit une ville raciste? Écoutez-moi. Ce qui s'est passé chez nous est plus qu'horrible. Mais il n'y a que 3 hommes qui sont concernés, pas toute la ville. Il y a beaucoup de Noirs qui participent à la gestion de cette ville. Nous avons le maire, nous avons des conseillers municipaux, nous avons le responsable des écoles, l'administrateur de l'hôpital. Les Blancs et les Noirs s'entendent ici. Dans cette ville, nous nous aimons les uns les autres. Comme ces hommes aimaient Monsieur Bird? Ici pour nous crucifier. Ils sont venus ici pour trouver des cutéreux et je peux vous dire qu'ils vont en trouver. C'est la raison pour laquelle on est derrière vous, Billy. Est-ce que vous savez comment on peut refiler ça aux fédéraux? Quoi? S'ils l'avaient laissé à l'église sur les marches, empêchant les gens d'entrer, ça aurait été autre chose. Mais le corps était à 31 mètres, ça a été mesuré. Alors, est-ce que c'était dans le comté ou à Jasper? Bonjour, Billy. Hey! Bonjour, ma grande. Encore une fois, nous ne serons pas seuls. Vous le voyez plus que je ne le vois. Comment allez-vous, Jamie? Bien. Comment ça va, Orange? Le département veut vous aider. C'est pas de refus. Ça nous sera très utile. Eh bien, je crois qu'on va vous laisser seul. Bonsoir. Ah. Et merci. Merci. Pas de quoi. Comment vas-tu? Dis-moi la vérité. Il y a eu des jours meilleurs. Il faut que tu fasses plus attention avec les journalistes. Ne leur dis pas que tout est sous contrôle. Si ça n'est pas le cas ou si tu ne sais pas, tu dis j'en sais rien. Mais je suis le premier à dire que je ne suis pas sûr de ce que je fais. Et ce, la plupart du temps. Moi, je suis un entrepreneur de pompes funèbres. J'ai la chance d'être maire. Mais je n'arriverai jamais à faire ce que tu fais. Tout ce que nous essayons de bâtir dans ce pays dépend de ce procès. Oui, tout le monde a les yeux braqués sur nous, je le sais. Oui. That atrocity shocked the conscience of the country, and a strong response is clearly needed. I ask for your thoughts and your prayers to be with the family of Mr. Bird today, and with the people of that community. Pensez-vous que le président... Est-ce que par hasard, vous avez... Madame Bird, que voudriez-vous qu'il arrive à ces hommes? Qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous pensez à la peine de mort? Sincèrement, c'est à la loi de décider. Mais ils ont tué votre fils. Vous n'avez aucune haine envers ces hommes? Nous sommes en colère, oui. Mais nous ne les haïssons pas. À quoi ça servirait? Qu'importe ce que la loi décidera, nous devons tous garder la foi. Le plus important est d'avoir foi en Dieu. Monsieur Bird, s'il vous plaît, en voulez-vous à la vie? Ça suffit maintenant. Nous avons répondu à vos questions. Allez, non, venez. Monsieur Bird... Viens, maman. Excusez-moi, poussez-vous. J'ai vécu ici toute ma vie, monsieur. Je n'ai jamais eu peur de marcher dans la rue. Madame Bird, êtes-vous d'accord avec les gens qui parlent de difficultés pour les Noirs à Jasper? La vie est difficile pour tout le monde. Monsieur Bird, Jesse Jackson et Al Sharpton vont venir assister à l'enterrement de votre fils. Qu'en pensez-vous? Mon fils va être enterré. Il est mort et il n'est pas question que qui que ce soit en fasse un spectacle. Reculez-le, monsieur Bird! Tu sais que j'ai parlé au gouverneur. Et en ce moment, son plus gros souci, c'est de savoir si Monsieur Gore sera présent ou non. Je me fiche qu'il vienne ou pas. Bien sûr, je sais, mais monsieur, mon vieux, est au courant. Écoute, et c'est la seule chose qui va le décider à faire venir quelqu'un de son entourage. Mais qu'est-ce que ça peut faire, à ton avis? Nous avons un gros problème. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez déjà parlé au Black Panther? Billy, tous les Noirs ne se connaissent pas entre eux. Ils vont tous débarquer de Houston demain, d'après le FBI. Ils ont prévu de défiler dans les rues armés.
Le jour de l'enterrement. S'il te plaît, oui, le jour de l'enterrement. Alors, on a intérêt à trouver une parade. Oh. Il n'est nullement question que des Black Panthers se baladent avec des flingues. Point final. Il y a une solution. Nous pourrions confisquer les armes et tous les arrêter sans problème. C'est un délit d'avoir une arme à feu dans le but d'effrayer quelqu'un. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Alors on les laisse se balader dans la ville armés comme s'ils protégeaient la communauté. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Attendez, attendez, attendez une petite minute. Si des fois, et je suis pas en train de dire que ça va se passer, mais si des fois, ils se mettaient à résister quand on voudra les désarmer, s'ils résistaient et qu'un coup de feu tuait l'un d'entre nous, au pire, s'ils tuaient un enfant dans un jardin. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et si un pecno allait chercher son fusil en prétextant qu'ils sont tous armés et commence à tirer dans le tas, on aurait de sérieux problèmes. Je peux avoir une part de tarte, s'il vous plaît? Merci. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'État pourrait nous donner un coup de main? On a déjà demandé. Ils ont dit pas question s'il s'agit de les désarmer. Alors, tout ce qui nous reste, c'est un coup de poker en espérant qu'ils ne voient pas qu'on bluffe. Je peux en piquer une? Oui. Et plus nerveux qu'un chat au milieu d'une meute de chiens. Je croyais que ce serait plus facile. Quelques discours, quelques rubans à couper. Je pensais pouvoir leur rendre la vie meilleure. Ah, j'aurais dû vous écouter et pas me présenter. C'est un privilège d'avoir un maire noir. Tu es le seul avec qui ils sont d'accord? Oui, évidemment. J'ai battu un alcoolique. Et un fou allié. Si seulement Lindsay n'avait pas pris sa retraite. Mais il l'a fait, et maintenant les gens comptent sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, ça, j'en sais rien du tout. Je dois représenter toute la ville, j'en suis conscient. Seulement sans dire ce que je pense. Beaucoup de gens disent que l'ancien maire te souffle ce qu'il faut faire. C'est ce que tu penses? Ricky! Papa, je rigolais. C'est ce que tu penses? T'as fini, oui. On se bouge! Allez, 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 allez! Vite! Allez, allez! Allez, en place! Vous ne pouvez pas parader dans le centre-ville de Jasper sans avoir obtenu un permis de défilé. Et tout ça, ça va prendre combien de temps? Je dirais une semaine. Mais ça sera possible dès que vous en aurez un. Nous allons défiler aujourd'hui. Je connais mes droits. Mes droits constitutionnels votés par l'Assemblée. Vous nous prenez pour qui? Nous sommes venus courtoisement pour vous dire ce que nous comptons faire. Ce monsieur a raison, il marque un point à propos de ses droits. Et si ils voulaient défiler dans la banlieue? Il leur faudrait un permis. Il leur faudrait un permis pour la banlieue. Pour la banlieue? Non, ils seraient en règle. Rien ne les en empêche. Oui, oui. Mais interdiction de passer près de l'église. Il faut comprendre que la famille voudrait être tranquille. Elle décidera, monsieur. Elle voudra peut-être marcher à nos côtés. Il y a une dernière chose. Je veux pas de fusil dans la rue. Des pancartes, d'accord, mais aucune arme. Vous pouvez nous dire où on peut défiler, mais pour les armes, c'est pas le cas. Eh oui, voici ma carte. Elle me permet de porter une arme et mes hommes mon en ont frère, une aussi. Walter. Nous connaissons tous les textes par cœur. Nous connaissons les lois en vigueur au Texas concernant le port d'armes. Et si une petite bande de paysans, mon frère, croit qu'elle va nous les faire baisser, elle se fourre le doigt dans l'œil. Nous n'avons pas invité ces personnes à venir ici. Alors je vous demanderai... à vous, citoyens de Jasper, de rester chez vous. Et surtout, ne sortez pas. Ignorez ce défilé. Ne sortez surtout pas. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Tout est sous contrôle. À vous tous qui écoutez, je veux vous dire que ces gens-là ne représentent pas Jasper. Exact. Il est temps pour nous de nous rassembler, de montrer la façon dont nous voulons vivre. Montrons au monde
nos ambitions et notre belle ville de Jasper. C'est exact, et ce que vient de dire le révérend est vrai. N'oublions pas que le monde entier nous regarde. La terre entière nous regarde, elle veut voir quel genre de personnes nous sommes. Il est temps pour nous d'aller chercher au plus profond de nos cœurs ce que nous pouvons faire tous ensemble. Johnny. C'est exact. Ce qui s'est passé à Jasper est unique, c'est une ville très particulière, vous savez. Je ne connais aucune communauté ayant élu ou qui aurait voulu voter pour un homme noir. Nous n'avons aucun besoin que les Black Panthers nous disent ce qu'on doit faire ou qui nous sommes. Nous le savons déjà, nous ne devons jamais l'oublier. James Byrd's funeral brought civil rights leaders and politicians from around the country. We're so sorry and we're so pained. We're so hurt that this incident has taken place in 1998. C'était sur mon répondeur quand je suis rentré. Je crois qu'il vous faut des gardes du corps. Il faut nous dire où vous allez, qu'on garde un œil sur vous. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait pour Mary et pour la maison? Nous patrouillerons. C'est toi qu'on vise et c'est ce qui m'inquiète. Peut-être bien que tu devrais aller faire un tour chez ta sœur en attendant que ça se calme ici. Pense-y. Alors tu voudrais que je te laisse tout seul? Quand on s'est marié à l'église, j'ai juré que je serais avec toi pour le meilleur et pour le pire. Alors, s'il te plaît, oublie ma sœur. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Walter, il faut que tu sois honnête. Est-ce que tu crois que le procès doit avoir lieu ici? Guy James? Oui. Il aime bien les compromis. Oui. Et à mon avis, il n'a pas eu affaire à ce genre de crime depuis quoi? 91, 92? Oui. Quant à Billy, ben, tu sais, lui, les tests ADN et tout le reste, c'est pas ça. Bien sûr, mais il a le FBI avec lui. Merci. Mais enfin, il y avait la tête d'un bonhomme d'un côté et son corps plus loin, ça s'est su vitesse grand V dans tout le pays. Tout le monde était au courant. Heureusement qu'il a appelé le FBI. Je ne suis pas sûr que ce procès devrait avoir lieu ici. D'abord, c'est une énorme affaire, et vous savez que je n'ai qu'un seul enquêteur. Je peux toujours mettre des hommes sur le coup si ça peut aider. Et puis, ça va coûter énormément d'argent. Quel choix avons-nous? Les fédéraux sont loin d'être pressés de s'occuper de cette affaire. Peut-être qu'ils en savent plus que nous. Eh bien, pourquoi ne pas leur dire que Jasper n'a pas les moyens? La ville peut faire faillite, vous êtes prêts pour ça? Mais c'est vous le procureur, si vous avez besoin d'argent. On en trouvera. Est-ce que vous avancez? Disons que ça prend forme, mais c'est encore léger. C'est pas évident, les meurtres avec préméditation. Nous avons deux choses à prouver. Pas une. C'est difficile. Et risqué, aussi. Il faut que ça se passe ici. RC, il y a autre chose. Si nous perdions ce procès. Los Angeles, affaire Rodney King. Ça risque d'être dangereux. Vous savez, nous avons une très jolie petite ville avec un tas de gens bien.
Alors il faut y aller. Je sais que vous pouvez le faire. Ce procès doit avoir lieu ici par égard pour cette ville. Ça fera du bien à tout le monde, c'est certain. La nuit dernière, le très populaire provocateur, connu sous le pseudonyme du Graisseux, a reçu un retour de manivelle lors d'une émission en direct concernant les Afro-Américains. Pourquoi vouloir persécuter les Noirs? Ce passage à l'antenne faisait partie d'une campagne d'excuses souhaitée par le Graisseux, dont le vrai nom est Doug Frack. Ce dernier avait été licencié la semaine dernière pour avoir passé un titre de la chanteuse Lauren Hill et d'avoir déclaré ensuite, je cite, « pas étonnant qu'on les traîne derrière des pick-up ». Attendez, aujourd'hui, j'ai pratiquement honte de dire que j'ai toujours habité Jasper. D'un seul coup, nous sommes le symbole du racisme. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de racistes ici? Pas plus qu'autre part, dans tous les cas. Et nous, et je parle de nous tous, devons le faire savoir aux gens. Je suis d'accord, c'est très important. Ça paraît évident. Il y a une chose que les Blancs et les Noirs ont toujours eu en commun. C'est la foi en Dieu et en la prière. Oui, absolument. Et je crois que nous devrions prier. Et je veux dire tout le monde. Ensemble. Mais on a besoin de plus que ça. Nous devons nous entendre. Nous devons tous dialoguer. Oui, absolument, oui. Que nos fidèles expriment leur souffrance. C'est à vous de le faire tous les jours dans vos églises. Mais ce serait beaucoup plus fort encore si la ville de Jasper le faisait. C'est exact, nous devons tous être derrière le maire, tous ensemble. Il faut que le maire soit nous impliqué. Nous devons tous être unis. Absolument, oui. Monsieur le maire, nous sommes avec vous. Oui. Merci beaucoup. C'est très gentil. RC. Oui. Tu es le maire de cette ville, tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas te croiser les bras en attendant que ça se passe. Nous devons nous réveiller. C'est à la mairie de bouger, de faire quelque chose. Les habitants de Jasper doivent se parler. Je croyais que le mieux était d'attendre que ça se passe. Et comment les Blancs et les Noirs réagiront si ça se passe mal? Ça, tu vas en entendre des vertes et des pas mûres. Mais quand on croit en Dieu, et c'est le cas de tes administrés, tout peut s'arranger. Hein? Nous devons montrer notre foi en Dieu. Je suis très croyant. Et d'après ce que je sais, vous l'êtes aussi. Bonjour. Mon révérend. Bonjour. Bonjour. Salut, Walter. Tout le monde a l'air de vouloir communier. Écoutez ça. Oui, j'en ai l'impression. Qu'est-ce que ça va faire, ce genre de réunion? Vous avez entendu, tout le monde est là. Ça va améliorer les choses ou les rendre pires? Il y a des nerveux à Jasper. Ils ont dû se battre et ça a mal tourné à cause de la drogue. Comprenez, il n'y a pas de racistes à Jasper, c'est tranquille. Le procès se fera ici. Ça m'est égal. Ils feront ce qu'ils veulent. Tout ce que j'espère, c'est que ça dégénère pas. Aujourd'hui, les citoyens de Jasper se sont tous retrouvés afin de montrer qu'ils étaient tous unis devant le terrible drame qui a touché la ville. Bébé. Il y a à peine une semaine. Entre nous, RC, je peux dire que c'est un vrai succès. Fais bien attention. C'est le travail du Seigneur, pas le tien. C'est bon pour la ville. Et c'est bon pour les médias. Et le fait que tu aies réussi à réunir les gens va beaucoup nous aider. Les jurés qui ont été minutieusement sélectionnés se préparent à juger John William King, qui a été désigné par les deux autres hommes comme étant l'instigateur de ce terrible crime. Rien ne nous aidera si les choses tournent mal. Tu sais, quand j'étais au tribunal, et que j'écoutais Guy James poser ses questions pour sélectionner les jurés noirs, je me suis rendu compte qu'aucun ne serait retenu parce qu'aucun ne croit en la peine de mort. Ça n'est pas une surprise, ça a toujours été comme ça. Ça ne nous aidera pas s'il n'y a que des Blancs dans le jury. Ça fera bizarre. Ça aurait l'air truqué. «
Rapproche-toi, Claire. Allez, approche. Je t'aime, maman. Écoute un peu ça, papa. C'est pour vous deux. I can dream of a new day. I can dream of a world to come. I can feel it coming my way. Feel it rolling a different way. Oh, yeah. I can dream of a new time. I love you. A time of love and a new rhyme. I can feel it coming my way. See the world in a new way. I can dream, it's my mom and dad's anniversary, I love you, I can dream, all right. Alors Billy, tu ne viens pas te coucher? Je ne suis pas encore assez fatigué. Oh si, Billy, il y a bien longtemps que tu es fatigué, mon chéri. Très, très fatigué. C'est sûr que si tu me prends par les sentiments. Mais Billy, qu'est-ce que tu fais? C'est rien du tout, chérie. Je prends mon somnifère. Billy, s'il te plaît, parle. Il faut me parler. N'arrête pas de me dire que si ça se trouve, j'ai oublié un tas de choses dans ce dossier. Et c'est plus qu'important. C'est la plus grosse enquête de ma vie, et si j'étais pas à la hauteur? Eh bien, il faut être à la hauteur, Billy. Je vais essayer. Quelque chose à ces trois garçons. On ne te loupera pas. Est-ce que Gil James vous a dit quelque chose sur la sélection du jury? Pas grand-chose, non. Ah. Ça ne l'inquiète pas. Ça devrait. Bonjour, Monsieur Powell. Bonjour, messieurs. Comment ça va? Ça va, John. Il n'y a aucun noir dans le jury. Ça viendra. Oui, mais les noms des noirs qui ont été retenus sont systématiquement refusés par les avocats de la défense. Vous vous dites que des blancs ne les condamneraient pas? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que ce n'est pas normal. Je dis, ça ne représente pas Jasper, que ça envoie un mauvais signal. Vous voyez? Je voudrais bien être dans le jury. Je n'hésiterai pas à faire ce qui doit être fait. Œil pour œil, c'est écrit dans la Bible. Je n'ai rien contre la peine de mort. Bonjour, monsieur le maire. Vous allez bien? Ça va, oui. Billy Rawls? Est-ce que c'était personnel? Tu le connais bien? Non, c'est parce que je suis blanc. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois un policier de rien du tout. Il a fait un amalgame avec les blancs qu'on a arrêtés. C'est à cause de ce meurtre. Je ne me sens pas visé. Je traite les gens d'égal à égal, Jamie. Je ne tolère pas le harcèlement. J'ai toujours parlé aux gens poliment. Oui, c'est Billy. Non, attendez, là, vous plaisantez. Le clan? Ils ont dit qu'ils allaient manifester devant le tribunal. Pendant le procès? Et vous les laissez venir à Jasper, ici, où on vient tout juste de massacrer un noir? Ils ont eu leur permis. Ils sont en règle. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça risque d'être chaud. Vous vous en êtes bien sortis avec les Panthères. Ils sont quand même venus.
Eh bien, trouvez un moyen pour que eux fassent demi-tour. C'est du Ku Klux Klan dont on parle. Je suis désolé pour ce stress. C'était dans ma boîte. S'ils sont condamnés, tu es mort. Bienvenue au club. On dirait la même écriture. Il chôme pas, celui-là. Je prends tout ça. Vous l'avez dit à vos femmes ? Moi non plus. Oui, je sais que vous êtes tous mal à l'aise parce que c'est lui qui a poursuivi Junior. Je n'y ai jamais pensé, Hersey. Je peux dire que Guy James Gray veut gagner ce procès, je le sais. Il peut ? Bien sûr, oui. Ces garçons peuvent être condamnés ici. Écoutez. C'est terminé. Plus jamais nous tendrons l'autre joue pour nous faire gifler. Nous allons faire ça dans les règles. Vous savez que la majorité des blancs de Jasper veut que King soit puni. Ainsi que ses complices, d'ailleurs. Tout ce qu'on demande, c'est que justice soit faite. Et elle le sera. Je suis occupé. Et je peux te le jurer. J'ai dit que j'étais occupé. Je ne serais pas entré si ce n'était plus qu'important, monsieur le maire. J'arrive. Je vais repasser. Quand tu veux, Hersey. Je viens de voir le FBI. Les Panthères viennent d'envoyer un communiqué. Ils veulent revenir à Jasper le même jour que le clan. Ah. Je comprends les difficultés que vous éprouvez dans votre travail. Amen. La veille, c'est l'entente générale. Le lendemain, c'est vous vrai. C'est plus comment être. Toujours pas discuté. Si je peux me permettre. Aujourd'hui, un bon nombre de Noirs pensent qu'ils ne sont pas traités avec respect. Ouais, c'est vrai, on peut le dire. Quand ils vont faire leurs courses, on les regarde comme s'ils allaient voler quelque chose. Je mets mon argent à la banque. Mais je ne vois jamais un Noir derrière le guichet. Même pour vendre des voitures d'occasion, il n'y a pas un seul Noir. Vous allez nous trouver du travail, monsieur Diggles ? Vous allez nous trouver du travail ? Monsieur Nelson, nous... Alors ? Nous essayons de créer du travail dans cette ville pour que tout le monde s'en sorte. Est-ce que vous saviez qu'il n'y a pas un seul Noir d'inscrit au Jasper Country Club ? Oh, oui, évidemment. Est-ce qu'il y a des Blancs dans vos églises ? La différence, madame Nickerson, c'est que vous êtes la bienvenue dans mon église, la bienvenue. D'ailleurs, en fait... Je vous réserverai une chaise au premier rang. Vous êtes très drôle, révérend. Tu es nerveux ? C'est rien de le dire, oui. Rien de le dire. Tout ira bien, chérie. Dis-toi que je suis à côté de toi. Et... dis une prière. Désolé, monsieur, tout à l'heure.
l'heure. Vous voulez de l'authentique? Ce sont les autres jurés qui l'ont sélectionné. La seule raison pour laquelle il est dans le jury, c'est parce que l'avocat de King n'a rien pu faire. Moi, je crois que c'est plutôt une bonne idée, oui. Une bonne idée. S'il vous plaît, pas de questions, aucune question, je rigole pas. S'il vous plaît. C'est pas lui qui nous aidera. C'est vous qui avez dit qu'on devait s'aimer les uns les autres. Allez-y donc, soyez déplaisant. C'est pas moi qui vous rappellerai toutes les grosses bêtises que vous avez pu dire. Merci. Bon, reculez. Allez, vous reculez maintenant. S'il vous plaît, c'est bon, reculez. Laissez-nous passer. Allez, ça suffit. Ça suffit, j'ai dit. Non, poussez-vous. Je vous ai dit que ça suffisait. On se calme. C'est tout. C'est tout. Merci à vous. Vous avez eu l'occasion de voir le corps de James Junior Bird. En effet. Bien, professionnellement, qu'avez-vous conclu lorsque vous avez vu ces blessures? Il y avait beaucoup de traumatismes. Le corps avait été séparé. Je pense que c'était l'épaule gauche. Oui, c'était bien l'épaule gauche. Et la tête qui était séparée du corps. À mon avis, avec l'expérience de mon métier, j'en conclus que... Il y avait un tuyau d'évacuation en ciment au-dessus du fossé que James Junior a apparemment heurté. Quand il a heurté le tuyau, ça a séparé la tête et l'épaule de son corps. Pas d'autres questions, Monsieur le Président. Je me réserve le droit de rappeler le témoin. Accordé. Pardon, Monsieur le Président. Billy, vous-même, avez-vous touché à quoi que ce soit? Non, monsieur, je n'ai touché à rien. J'ai juste fait les marques au sol, sinon je n'ai touché à rien. Étiez-vous présent quand les preuves ont été emportées par vos adjoints? Non, j'étais au bureau, j'avais affaire. Ah, je vois. Je vois, oui, vous admettez que vous n'avez pas la moindre idée de la façon dont les pièces à conviction ont été collectées. Non, monsieur, je ne sais pas. Je n'étais pas sur les lieux. D'accord. Très bien. Est-ce que vous étiez présent quand le FBI a examiné les lieux? À ce moment-là, c'était difficile. Nous avions des problèmes ici. Et des hommes beaucoup plus qualifiés que moi étaient sur le coup. J'avais un tas d'autres choses à faire. J'étais très occupé. Pas d'autres questions, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs du jury, je vais vous montrer des photos. Des photos du corps. Elles sont terriblement difficiles à supporter. Mais ce sont des preuves importantes. Ne vous contentez pas de les regarder. Étudiez-les aussi. Billy, si vous voulez bien les identifier. Ceci est le détail d'une photo du corps de James Junior Bird, plus exactement du tronc, quand on l'a trouvé sur Ulf Creek Road. Pourquoi? Et c'était bien avant que, de quelque manière que ce soit, le corps ait été touché ou bougé par les ambulanciers. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. En voilà une autre. Ceci est une photo du corps dans son ensemble. Et vous pouvez voir sur le côté droit de la photo qu'il manque la tête et l'épaule gauche. Comment ses sous-vêtements et son pantalon ont-ils été baissés?
Shérif, comment ceci est-il possible? Nous pensons que... s'il est dans cet état... Il a été traîné et les hommes qui... Que pensez-vous de ces blessures sur les chevilles? Eh bien, à mon avis, je crois... qu'elles sont dues à la chaîne. Objection, monsieur le président. À ma connaissance, aucune chaîne n'a été mentionnée ou retenue comme preuve. Oh non, mais nous allons y venir. Nous allons y venir. Monsieur King, laissez-le passer, s'il monsieur, vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, reculez. Pouvez-vous nous dire... Allez, reculez. Monsieur King, comment votre fils est devenu raciste, monsieur? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Il n'a pas été élevé comme ça. Monsieur, c'est d'après certain. Son avocat, ça a commencé en prison quand des Noirs l'ont maltraité. Oui, c'est vrai. Il avait changé quand il est revenu, beaucoup changé. Était-il raciste quand il était jeune? Madame, je ne l'ai pas élevé comme ça. Pardon, je n'ai rien à dire. Laissez-moi tranquille. Monsieur King, calmez-vous. Poussez-vous, reculez. Monsieur King, s'il vous plaît, croyez-vous pouvoir lui pardonner ce qu'il a fait en tant que père? C'est Billy. Ton jour va venir, tu trahis ta race, espèce d'enfoiré. T'as intérêt à choisir ton côté, sinon quand t'auras le dos tourné, tu vas... Oui, bien sûr. On ne pourra jamais y arriver comme ça. Si ça continue, tout va sauter. Écoutons le maire. Nous avançons. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Allez-y, je vous écoute. Oui, voilà. Il semble bien que tous ici... avons, ce qui est normal, des cultures différentes. Mais nous n'avons pas encore la curiosité d'aller découvrir celle de l'autre. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une sorte de congrégation avec tous les cultes représentés, toutes les églises. Voilà ce qu'il faut c'est faire. C'est une bonne idée. Merci, mon révérend. J'ai regardé dans mon cœur, en me demandant est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire. Je n'en suis plus certaine. Parfois, j'ai choisi d'oublier, de m'insurger quand il le fallait. Ouais, bien, il y a une chose qui est certaine. C'est bien toujours les Noirs qui se font arrêter. Toujours des Noirs qui passent devant le juge. Attendez une seconde. Si on enfreint la loi, il faut Pardon, s'y attendre. Ce sont nous, jeunes, qui sont toujours arrêtés pour possession de drogue. Ce ne sont pas les Blancs. Quand un Blanc est arrêté, il est chez lui deux secondes après. Nos jeunes vont en prison. C'est souvent un problème de caution. On est arrêté par la police. On n'est pas traité avec respect. Si on a le malheur de l'ouvrir, on est sûr et certain d'y avoir droit. C'est ici qu'on devrait inviter la police. Ils en prendraient plein les oreilles. Vous savez, il y a peut-être une meilleure solution. Si on peut réunir un petit groupe de personnes qui seront déléguées pour parler... Oh là, attendez, attendez une seconde. Si c'est un porte-parole que vous souhaitez avoir, c'est le boulot du maire. Est-ce que c'est clair? Oui. Bonjour, RC. Comment vont les choses de votre côté? Voyez-vous même. Qu'est-ce que c'est? C'est le compte-rendu d'une réunion. Ce sont des plaintes. Et il y en a beaucoup, on dirait. Oui. Oh. On n'a jamais arrêté une personne qui était dans son noir. Oui. Seulement plus de noirs que de blancs se font arrêter. C'est ça, le problème. Mais peut-être qu'il y a plus de noirs qui font des bêtises.
Ils disent que vos adjoints ne sont pas respectueux envers eux. Et ça, c'est pas normal. Vous avez déjà vu quelqu'un qui se fait arrêter penser qu'il est bien traité? Une chose terrible s'est passée ici, et je sais que ça a remué tout le monde, mais ce sont trois petits cons qui l'ont fait. Pour ce que j'en sais, les Blancs et les Noirs s'entendent assez bien. Ils ont envie de vivre ensemble. C'est faux! C'est ce que nous prétendons. On fait semblant depuis des années. Nous faisons semblant, shérif. Ce qu'il faudrait avant tout, c'est qu'à Jasper, il y ait un investisseur qui bâtisse une usine Billy, et donne du travail. Écoutez-moi. Que ceci soit pris en compte. Maintenant. Et pendant que j'y suis, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, effacez-moi ces marques sur la route. Ça rend tout le monde nerveux. Dans cette lettre, écrite en prison, il vous parle de ses tatouages. Ça y est, je me suis fait faire un petit oiseau rigolo avec l'uniforme du clan qui met des baffes à des nègres. Vous avez vu ce tatouage? Oui, je l'ai vu. En avez-vous vu un qui représente un noir pendu? Oui, monsieur. Comment vous en a-t-il parlé? Regarde mon petit nègre pendu à la branche d'un arbre. Dans cette autre lettre, il dit qu'il veut rejoindre les Chevaliers Confédérés d'Amérique, qui est une organisation prônant la suprématie de la race blanche. Pouvez-vous nous lire ce passage, s'il vous plaît? Dis-moi ce que tu penses des nègres et des Mexicains. Est-ce que tu oserais t'en faire un? Est-ce que tu oserais trahir ta race comme beaucoup de salopes à Jasper? Que toutes les putes qui ont trahi leur race soient pendues aux côtés du nègre qu'elles ont baisé. Vive la race blanche. Quand vous étiez en prison avec Bill, que disait-il à propos de l'initiation des nouvelles recrues? Fallait faire un pacte de sang, c'est la règle. Que voulait dire emmener un noir pour l'initiation? Le tuer. Pour prouver notre loyauté à l'organisation. Si un noir est enlevé, tué, et que cela déclenche une guerre entre communautés, vous pensez que c'est une bonne chose? Je crois. Si c'est ce que vous voulez. Pour ce qui est d'une zone tampon, on ne pourra pas vous aider. Avec tout le respect que je vous dois, pourquoi? Elle est demandée par le juge. Votre désir d'interdire les armes n'est pas applicable. Une personne a le droit de porter une arme si elle le veut. Le procureur général a une opinion? Je ne suis pas là pour avoir une opinion. Je suis là pour observer. Observer quoi? De la violence? Une guerre des races? Nous interviendrons seulement au cas où les Black Panthers se rebellent. Alors c'est nous qui allons trinquer si on veut leur enlever leurs fusils et que ça commence à péter dans tous les coins. Merci, messieurs, merci pour votre aide. On est ravis. Bonne chance, en tout cas. Il y a autre chose que vous devez savoir. Les Panthers font leurs adieux à leurs proches parce qu'ils sont tous prêts à ce que ça se termine dans un bain de sang. Hey Lord, what about me, Lord? I feel like crying, crying to you. It's me, Lord, I'm on bended knee, Lord. I'm here to ask something of you. Slavery to love that knows not its goal. Take me away from this world so covered in pain. It's just not my home.
Alors, shérif, vous comptez nous faire danser comme la dernière fois? À peu près, oui, à peu près. Vous pourrez défiler avec vos fusils, mais loin du tribunal, c'est la condition. Vous ne nous séparerez pas de ces diables blancs. Nous avons le droit de nous rassembler. Vous pouvez vous rassembler si vous voulez, mais ce sera sans vos fusils. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, il y a une zone de démarcation. Ça veut dire pas d'armes dans cette zone, c'est le souhait du juge. Vous avez oublié? Oui, j'ai oublié. Vous croyez que vous allez nous faire avaler ces conneries? C'est illégal. Ben, moi aussi je connais mes droits, Khalid. À vous de choisir, ou le tribunal, ou les armes. Eh oui. Et pour être honnête, quoi que vous choisissiez, vous ne serez jamais seul, je serai derrière vous quelque part. C'est ça. Mais alors donner un ordre pour que le chef de cabinet nous aide si on est obligé d'arrêter des hommes armés. Le gouverneur n'est pas disponible pour l'instant. Écoutez, mis à part mes policiers, tout ce que j'ai ici, c'est une petite douzaine de volontaires qui ne feront pas le poids s'il doit y avoir du grabuge. Allô? Je suis désolée, monsieur. Est-ce que je peux parler à l'un de vos supérieurs? Je suis l'employée la plus âgée dans ce bureau, mais je serais heureuse de faire passer le message à mon supérieur. Merci. On est seul sur le coup. Vous vouliez parler aux habitants de Jasper ce matin? Oui. Je tenais à dire à tous nos amis de Jasper qu'ils devaient être conscients que malgré la couleur de ma peau, le Ku Klux Klan ne me représente pas. Pas plus que les personnes que je connais, et je connais à peu près tout le monde ici. Et il est certain qu'il n'est pas représentatif de Jasper, n'est-ce pas, shérif? Ils sont là pour propager la... J'ai l'impression que nos invités sont arrivés. Ces crétins se fichent complètement de notre sort. Ils sont comme beaucoup d'autres marginaux qui débarquent dans cette ville et profitent de la situation. Je n'avais jamais vu quelqu'un du clan d'aussi près. Moi non plus. Il y en a peut-être qu'on connaît. Ces pantins ont peut-être une drôle d'allure, mais ne vous leurrez pas. Les idées qu'ils défendent sont à l'origine de la tragédie dont cette ville a été témoin. Alors croyez-moi, ne leur montrez aucun respect. Préservez la paix à Jasper. Ne leur montrez aucun respect. Ce que vous voyez devant vous, c'est la liberté. Et nous allons défendre cette liberté, que vous le vouliez ou pas. Nous allons redonner sa fierté à la race blanche. Nous allons redorer le blason de la race aryenne. Et mettre un terme à la sous-race. J'ai marchandé. Les panthères vont passer devant l'église baptiste. Surtout, ne laissez pas tous ces nègres et tous ces juifs vous prendre pour des idiots. Ils contrôlent les médias. Ce sont des communistes. Ne les laissez pas contrôler votre histoire. Billy, j'écoute. Nous sommes ariens et fiers de l'être. Quoi? Oui, nous sommes ariens et fiers de l'être. Bien reçu, j'arrive. Il n'y avait pas assez de caméras près de l'église. Les panthères viennent par ici pour voir la presse. Billy, faites très attention. Oui, je suis un arrière et fier de l'être. Et un jour, il faudra bien que tu te réveilles, salé. Il faudra que tu te lèves et que tu te défends. Vous connaissez les conditions? Je ne vous laisserai pas passer avec vos armes. Alors vous avez un très gros problème. Vous ne passerez pas. J'ai reçu les ordres d'un juge et je compte les appliquer. Vous voulez vous battre contre nous? Oh que non. Mais je le ferai. Je ferai tout ce que j'ai à faire. J'ai avec moi beaucoup de renforts. Je dois les appeler? Allez-y. Très bien, d'accord, vous avez gagné. Je vais vous laisser aller jusque là-bas. Mais ce sera sans armes si vous y allez. Ils nous font baisser le bras. Oui, je sais, c'est exact. Le shérif est allé leur parler.
Comment? Mais que font-ils de nos droits? Non, mais il est temps de faire quelque chose, mais... Le pouvoir en droit! Pourquoi on est là? Le pouvoir en droit! Merde! On n'avait pas besoin de ça! Pourquoi on est là? Il y a longtemps qu'on aurait dû tous vous pendre! Faites rentrer les gens chez eux tout de suite, dépêchez-vous! Et de quoi ils ont tous peur? Du pouvoir! Nous avons eu la bonté de vous baptiser! Nous vous avons sauvé de la terre que tu avais léguée à Caïn! Vous êtes tous infectés par je ne sais quel virus, bande de singes sortis tout droit d'Afrique! Je suis venu vous dire... Tuez-moi ce blanc, qu'il aille en enfer! Le pouvoir au roi! Carole, envoyez-les! Envoyez tout le monde, allez! Allez, viens, quoi, d'un blanc! Arrêtez, reculez! Reculez, du calme! Du calme! C'est toi qui me le rends en enfer! Attendez, écoutez-moi! Arrêtez, arrêtez! On était d'accord! Est-ce que vous m'écoutez? S'il vous plaît, on était d'accord. Le blanc est supérieur. Vous parlerez à la presse. Vous entendez ce que vous dites? Personne ne vous écoute, shérif. Personne. Je vous dis que vous parlerez aux journalistes. Vous parlerez. Mais arrêtez tout bas. Arrêtez. Vous aurez la parole. Arrêtez. Du calme. Arrêtez. Vous, les journalistes, il faut les vous ne parlez pas place. Du temps ni plus de raison de ces diables blancs. Vous participez à notre lynchage. On est là pour protester. Vous commencez à nourrir un chien héros. Regardez-moi. Il finira par s'installer chez vous. Retire ta cagoule. Montre ton visage. Regroupez-les de ce côté. On va redonner espoir à nos frères. Les panthères sont l'antidote de ces blancs de l'enfer. Le renouveau des Black Panthers et la nouvelle voix des opprimés. Ici à Jasper, ainsi qu'à travers toute l'Amérique. Écoutez la voix de tout un peuple. Ne peuvent même pas espérer avoir l'once de reculer. Et vous devez nous remercier. S'il vous plaît, reculez. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce nom de l'enfer? Nous seuls, nous sommes supérieurs. Nous pouvons réaliser. C'est rien d'autre qu'un spectacle. Avec Jasper en toile de fond. Et James Junior à héros. Ça suffit maintenant. On va vous rentrer chez vous maintenant, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Allez, montrez la supériorité. On a l'intelligence, le pouvoir. Alors que le pouvoir, on peut Posez-vous, le spectacle est terminé. Rentrez-vous, s'il vous plaît. Du carré. Vous vous êtes tous exprimés, on vous a tous écoutés. Maintenant, tout le monde va rentrer chez soi. Taisez-vous. Rentrez dans vos foyers, messieurs. Rien d'autre qu'un spectacle. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur nous aura bien aidés. Oui, amen. Maintenant, il faut qu'il nous aide avec ce procès. C'est ce que je dis à mes petits joueurs. Quand on a la pression, il y en a qui peuvent frapper la balle et d'autres pas. Ça sent bon tout ça. Très bon. Vous vous en êtes bien sortis. Je m'inquiète pour les enfants qui ont écouté la radio. Ce langage, toutes ces insultes. Vous me connaissez. Je considère que je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas raciste, mais j'ai du mal à comprendre les couples mixtes. Ce n'est pas le fait qu'ils soient ensemble, mais je pense aux enfants. C'est difficile pour ces enfants, très difficile. Je dois être à la traîne. Je suis d'accord avec vous. Je ne voudrais pas que ma fille se marie avec un blanc. C'est délicieux. Délicieux. Oui. Amen. Quelque chose vous tracasse ? Je n'arrive pas à croire toutes ces imbécilités que le clan veut essayer de faire passer. Et les Black Panthers ? Tuez ce blanc qu'il aille en enfer. Vous ne voulez pas me tuer, hein, RC ? Je n'ai jamais rien dit de tel. Et vous, vous n'avez jamais dit nègre ? Nègre. Vous ne l'avez jamais dit? Hein? Vous n'avez jamais dit sale blanc de Taras? Jamais sale blanc de Taras? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Thank you.
Et dans ses lettres, qu'a-t-il dit qu'il ferait en sortant de prison? Il disait qu'il comptait faire quelque chose qui le rendrait célèbre. Mais il ne disait jamais quoi. Insouciant des conséquences, et quel qu'en soit le prix, nous avons fait l'histoire et nous mourrons fièrement si besoin est. Beaucoup d'amour à rien, respect et honneur à mes frères d'armes. Sieg Heil, signé l'opossum. Vous avez intercepté cette note quand l'accusé se préparait à la donner à l'autre accusé, Lawrence Russell Brewer. Oui, monsieur. Même mort, nous sommes séparés. RC, nous pensons que la mort de notre fils peut peut-être servir à tout le monde. Nous pensons que cette vieille grille devrait être enlevée. Ça viendra avec le temps. On dirait que l'ancien temps est toujours là, rien n'a changé. Et après ce que les hommes ont fait à Junior, ça marquerait un point. Bien sûr, si la ville en était propriétaire, il y a longtemps que ce serait fait. Il se trouve que c'est une propriété privée avec un conseil d'administration. Mais à qui appartient le cimetière? Et c'est ce que nous essayons de savoir. T'inquiète pas, on y arrivera. Sur ces photos, vous pouvez voir les écorchures sur le haut des fesses ainsi que sur le haut et le côté des cuisses. Des lacérations du côté gauche, du milieu du dos. Et il y a aussi d'importantes lésions au-dessus du sacrum et des fesses. Ainsi que sur la colonne vertébrale. La forme des blessures sur les fesses est caractéristique. À quoi cela vous fait-il penser? Eh bien, personnellement, je crois que pendant qu'on le traînait, Monsieur Bird essayait de son mieux de soulager les terribles douleurs qui lui étaient infligées. Le fait d'être traîné devait être très douloureux. Je pense qu'il essayait d'atténuer les douleurs en mettant ses mains derrière sa tête pour éviter qu'elle touche le sol, et en se tournant d'un côté et de l'autre, encore une fois, pour atténuer la douleur. Il ne fait aucun doute pour vous que James Junior Bird était encore vivant quand il a été enchaîné et traîné? Ça ne fait aucun doute, il était vivant. Et la cause de la mort est donc due à l'arrachement de la tête et de l'épaule. Oui, jusqu'à ce moment-là, il était encore en vie. Merci. Maurice Johnson, Wilson Rogers. J'ai joué au basket avec ces types à l'école. Je sais. Queenie, sacré gars. Oui, Robert Quinn, je sais. On était tous copains, tu sais. Quand j'étais scout, j'avais beaucoup de noirs dans ma troupe. Qui essaies-tu de convaincre? Nous demandons au Seigneur de nous protéger et de nous aider. Et nous le remercions, lui et la cuisinière, pour ce merveilleux repas. Amen. 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 Tu me passes le pain? Avant que vous ne commenciez à manger,
J'ai quelque chose à vous dire. En particulier à vous, les jeunes. Quelque chose que j'avais oublié ou dont je ne voulais pas me souvenir. Voilà. Il y a une trentaine d'années, votre cousin Leroy, le fils de ma sœur, a été arrêté. Des policiers sont entrés dans la maison et l'ont sorti de son lit. En l'accusant d'être sorti avec une planche. Viens là ! Là ! Si t'as encore le malheur de regarder une planche, t'es mort ! T'entends ? T'es mort ! Ils l'ont frappé. Tu m'entends ? Ils n'ont pas fait semblant. Quand je suis allé à l'hôpital, je me suis écroulé et j'ai pleuré. Sa tête était toute gonflée. Il était défiguré. Quand j'ai dit à Norva qu'il fallait qu'elle porte plainte, elle a dit... Non. Nous devons vivre ici. On ne peut pas causer de problème. Il faut que l'on en reste là. Il y a longtemps que je n'avais plus pensé à ce qu'elle avait dit. C'est dangereux d'oublier. C'est dangereux de se souvenir. Parce qu'alors, on doit réagir. Vous savez que la ville n'en est pas propriétaire, alors vous savez que ce ne sont pas vos affaires. Mais cela affecte Jasper, que ce soit pour son apparence ou pour les idées qu'elle évoque. Messieurs, nous sommes simplement venus ici afin que vous regardiez dans vos cœurs et que vous fassiez ce que vous pensez être bien. Nous avons mis cette grille pour les vaches pour qu'elles ne puissent pas entrer, c'est simple. Et aussi pour que les Noirs puissent enterrer de l'autre côté. Alors je ne vois pas où est le problème. Mais... cette grille est un symbole très insultant. Elle partage le cimetière en deux. De toute façon, ça ne veut pas dire quoi que ce soit. Mais vous êtes conscient que cette grille partage aussi les deux communautés. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça a toujours été comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Est-ce que vous pouvez me dire quelle différence ça fait pour les morts? Ce n'est pas pour les morts. C'est pour les vivants. Bon... nous verrons avec les autres membres du Conseil et nous vous en reparlerons. D'accord? Au revoir. Demandé après la mort atroce de James Byrd Jr. à Jasper, risque de ne pas être voté lors de cette session législative. Ce qui n'est pas du but de la société noire. En bref, maintenant, en fin de matinée, le révérend Jesse Jackson a fait une déclaration qui conclut. Bon, alors on se voit samedi, les gars. Ouais, salut, Bob. Ouais, salut. Ah. De l'air conditionné, rien de tel qu'une quincaillerie un jour de canicule. C'est exact, comment ça va? C'est dur, les inventaires. Hein? Oui, c'est sûr, faut tout répertorier. Dis donc, bon, est-ce que tu as beaucoup de Noirs qui viennent ici? Je vends à tout le monde, Noir ou Blanc. Dernièrement, il y a eu pas mal de réunions, ils souhaiteraient qu'il y ait plus...
plus de noirs qui soient vendeurs dans les magasins. Tu voudrais que j'engage des gens simplement parce qu'ils sont noirs? Non, bien sûr que non. Non, je dis que si tu voyais une personne qui est qualifiée, tu pourrais l'engager. Dis donc, Billy, tu travailles pour la chambre de commerce d'un seul coup? Oh, Seigneur! Tu préfères ta place de chéri? Je te connais assez bien, beau. Que dirais-tu si tu avais mis tout ton argent dans une banque où il n'y avait pas un seul blanc qui travaille? Réfléchis-y, mon ami, pense-y un peu. Et je repasserai plus tard. D'accord. Fais attention à toi. Je vais peut-être faire un tour en ville. Ça, c'est une bonne idée. Est-ce que le jury a prononcé son verdict? Oui, monsieur le président. Donnez-le à l'huissier, s'il vous plaît. Accusé, levez-vous. Prononcez votre verdict. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable d'homicide crapuleux. Oh, Seigneur! Silence, un peu de silence. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est bien, chéri, il est condamné. Je veux du silence dans ce tribunal. On a gagné, on a gagné. Taisez-vous maintenant. Bon travail. L'exécution de la sentence commencera à 9h demain. La séance est levée pour aujourd'hui. Oh. Allez, viens. Rentrons à la maison. C'est fait. Reculez, poussez-vous. Allez, dégagez le passage. Poussez-vous, allez. J'ai dit dégagez le passage. C'est une bonne chose de faire. Dégagez, dégagez. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la famille? Ouais, je les emmerde tous. Monte là-dedans, allez. On a réussi. C'est fini. Révérend. Bien joué. C'est un grand pas. C'est fini. Bravo, mon père. Poussez-vous, rentrez chez vous, s'il vous plaît. C'est terminé. C'est terminé. Attendez-moi dehors, s'il vous plaît. Je voulais venir vous parler avant, mais j'étais mal à l'aise jusqu'à ce moment du procès. Je suis venu vous présenter des excuses de la part de toute ma famille. Je ne comprends pas comment un garçon que j'ai élevé puisse en arriver là. Prendre une vie. Comment a-t-il pu en arriver là? Ce ne sont pas mes idées. J'ai mal pour vous. Je suis désolé. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Nous pouvons les élever, mais quand ils sont devenus grands, c'est à eux de voir. Ce n'est pas votre faute, je le sais. Merci. Vous êtes un autre père qui a perdu un fils.
Monsieur King, levez-vous, je vous prie. Me référant à la conclusion du jury, ce jour, je vous condamne à la peine de mort par injection. Si le FBI et la presse n'avaient pas été là, ce garçon ne serait pas dans le couloir de la mort aujourd'hui. Monsieur le maire, que pensez-vous de la sentence ? Vous vous ferez votre propre opinion. Quoi qu'il arrive. Merci. Merci. Je peux vous dire un mot ? On a décidé au conseil d'administration pour la grille. C'est même pas lourd. En tout cas, c'est un plaisir. Hein ? Il y a longtemps que j'attendais ça. Quand on pense qu'elle est là depuis des années, c'est parti. Hop ! Voilà. C'est surprenant ce qu'on peut faire avec un peu de bonne volonté. Ouais, avec un bon chalumeau, ça fait l'affaire. Allez, à toi de jouer. Allez, Walter, un peu de nerf. Allez, alors, relève, ça va aller. Bien. C'est bon, on y est. Allez, attention, gars, charge. Allez, Johnny. Alors, merci. C'est réussi. Johnny. On a eu ce qu'on voulait. Bravo, Walter. Incroyable. Chérie. Merci. Poussez-vous, poussez-vous. Attendez, mon révérend. Voilà. Et une de plus. Et voilà. C'est bon. Deux prévenus attendent encore d'être jugés, Russell Brower et Sean Allenberry. Alors cette histoire est loin d'être terminée et une chose étrange résulte des événements qui ont eu lieu ici. Le résultat du référendum réclamant la suppression de la rémunération du maire et de ses conseillers... C'est pas vrai, ça c'est mauvais. Alors, problème racial ou pas, la majorité des Blancs votant pour, la majorité des Noirs votant contre... Incroyable. L'économie locale y est pour beaucoup. Le taux de chômage de la région étant monté à 12%. En direct de Jasper, Texas, c'était Carol Walsh pour KNPS. Je suis passé chez vous. Et Mary m'a dit que vous étiez sorti. Merci d'avoir fait le ménage. J'ai entendu les résultats du vote. Voilà une belle connerie. Décidez de ne plus vous payer. Je ne touchais pas à grand-chose. Les conseillers non plus, d'ailleurs. La ville perd de l'argent. On a toujours fait ce qu'on pouvait, mais on a du mal à rembourser. Vous êtes tolérant. C'est magnifique. Vous voulez goûter ? Après tout ce que cette ville a pu endurer... Ben... les choses ne sont pas du jour au lendemain. Comprenez ? Maintenant, au moins... les gens se rencontrent, ils arrivent à s'écouter. L'important, c'est de bien travailler. Je sais plus qui a dit ça. Vous savez, cette demande a failli ne pas passer. Un tas de Blancs ont voté contre. Beaucoup plus qu'il y en aurait eu avant. Mais ça pue toujours. Au moins... plus jamais on ne fera semblant. Et alors, ce cigare ?
Il est bon. Si King et Brewer sont exécutés, ils seront les premiers blancs à l'être pour le meurtre d'un noir depuis 1854. La dernière fois, ce fut un fermier condamné à mort pour avoir tué l'esclave d'un autre fermier. C'était une question de propriété.